Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses profondes. Nous avons l'histoire de Fally Ipupa avec les deux enfants jumeaux qui sont sur les réseaux sociaux. Ce sont des petits frères de Keïna Ipupa, petits frères de Marco 6, sont les enfants d'une dame appelée Akoko. Qui vit, je ne sais pas, au Bénin, quelque chose comme ça. Alors, vidéo, ils ont circulé. La femme, elle est en train de réclamer l'ADN. Elle est prête pour faire l'ADN. Donc, elle faisait l'acceptation d'aller vers l'ADN. Elle conçoit, elle assume que c'est Fally, le père. Alors, c'est à Fally, maintenant, d'aller prouver qu'il n'est pas le papa. Le message est plus. A déjà fait plus de 4-5 jours sur les réseaux sociaux, mais le même message était passé il y a presque 2 à 3 ans. On avait ignoré ce message parce qu'il y avait un problème de Nana et de Nana Ketchup et Nicki Minaj qui était vraiment qui faisait beaucoup d'actualité sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi la dame ici à Coco est retournée sur les réseaux sociaux avec les photos des enfants à l'appui et elle demande l'ADN pour preuve. Donc, selon la dame, selon les dires, elle a les enfants de Fally. Il y a des femmes congolaises qui sont les femmes de Fally, qui ont injuré, qui ont insulté la femme là. Mes chers amis, je vais vous retourner sur l'histoire de 2021-2022. Les mêmes fans de Fally Ipupa ont insulté Nicki Minaj. Ils ont renié les affaires de Nicki Minaj. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes fans qui ont accepté les mêmes affaires qu'ils avaient ingérées, les affaires de Fally Ipupa. Parce qu'ils ont vu que malgré le fanatisme, la réalité est que il y a des fois où les hommes font des choses que les fans ne savent pas. Il y a des fois où les artistes font des choses que les fans ne savent pas. Les femmes congolaises qui disent que non, nous, on ne reconnaît pas la grossesse, on ne reconnaît pas les enfants. Vous, Congolais, Congolaises, vous, les fans, vous avez quel droit de reconnaître les enfants de quelqu'un? Vous avez quel pouvoir de renier, soit de nier les enfants de quelqu'un? La dame là a passé un moment avec Fally. La dame là a couché avec Fally Ipupa. Si elle a des preuves à l'appui, si elle a besoin d'aller faire les tests d'ADN et elle confirme que c'est Fally, c'est le père, pourquoi la communauté congolaise est engloutie dans des désordres? Pourquoi la communauté n'a pas le temps de discerner les dires de la dame ici? Tout ce que la femme demande, elle ne demande pas l'argent. Elle demande la reconnaissance du père. Pour la reconnaissance, il faut qu'il passe pour ADN. Il y a les gens qui ont dit que Fally n'a jamais été au Bénin, Fally n'a jamais passé au Bénin 2 ans. Qui vous a dit que faire un enfant, il vous faudra 2 ans? Qui vous a dit pour faire un enfant, il vous faut 1 heure de temps? Au moment où ils se sont connus, si Fally n'a pas porté les préservatifs, ça peut être 5 minutes. Il peut laisser l'enfant. Il peut laisser la grossesse derrière lui. Alors, si lui n'a pas, il ne s'était pas, il ne s'était pas préparé, il ne s'était pas protégé. La dame là, c'est elle qui a couché avec Fally. Ce n'est pas vous la communauté, ce n'est pas vous les femmes. C'est elle qui connaît le père. Toutes les femmes savent bien que vous pouvez avoir les affaires dans la maison. Vous pouvez avoir toutes sortes d'affaires dans la maison. Mais c'est la maman, c'est la mère qui connaît. Ça, c'est la femme de qui? Ça, ce n'est pas la femme de qui? C'est elle qui connaît, c'est elle qui a couché, c'est elle qui a ouvert les pieds. Pourquoi vous, les mamans congolaises, vous êtes comme ça? Vous vous ingérez dans tout. Cette dame ici, c'est elle qui vient avec son problème. Elle n'est pas venue présenter les problèmes à la communauté congolaise. Elle est venue chercher Fally pour, parce que Fally, il est devenu un homme, il est devenu un homme invisible. On ne le voit pas. La femme, peut-être elle a besoin juste de la reconnaissance. Elle veut que Fally puisse reconnaître les enfants. Mais au moment où vous faites la vidéo ici, vous êtes en train d'insulter. Peut-être la communication de Fally Ipupa est en train de faire les choses pour parler à la dame. Vous ne savez pas. Peut-être il y a une délégation qui est déjà prête
à parler à la femme. Vous ne savez pas. C'est Fali qui a le droit de dire que ce ne sont pas ses affaires. Alors, si Fali veut un jour dire que ce ne sont pas ses affaires, allez faire les ADN. Allez faire les ADN, c'est à Fali de faire les ADN parce que c'est la dame qui demande à Fali d'aller faire les ADN. Ce n'est pas à vous de dire à Fali de ne pas d'aller ou de ne pas partir. Si la femme la reconnaît Fali comme les maris, les pères des enfants, est-ce que Fali a nié? Est-ce que Fali a accepté? Pourquoi vous voulez faire les choses là? Vous voulez vous ingérer dans tout ce qui ne vous regarde pas? Tout ça à cause de TikTok. Vous cherchez des visibilités partout, même dans des mensonges. Vous, les femmes africaines, les femmes congolaises, vous devrez apprendre à faire des discernements. Quand une femme qui est comme vous, une femme qui a été peut-être abandonnée, vous devrez la supporter, vous devrez la soutenir. Comment espérez-vous évoluer? Comment vous allez espérer à vous développer si vous êtes divisé? Une des vôtres, une femme qui a connu des douleurs de grossesse, une femme qui a eu des douleurs pour faire bébé dans les maternités, dans la chambre d'accouchement, elle dit que ces affaires-là appartiennent à Fali. Vous, les femmes, vous devrez soutenir la maman ici. Vous devrez la soutenir. Vous devrez même l'appeler, la poser des questions pour compatir avec elle. Imaginez-vous éduquer les affaires seules. Prenez-vous, mettez-vous en place, éduquez les enfants seuls, loin de leurs parents, loin des pays, loin de leur papa. Même la famille n'est pas à côté des enfants. Les enfants-là sont grands, sont devenus des hommes. Ces enfants-là auront besoin de leurs cousins, ils auront besoin de leur tante, leur grand-papa, leurs oncles. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de connaître leurs sources. Pourquoi maintenant vous, les petites bêtes de la communauté, vous voulez vous ingérer dans les affaires qui ne vous regardent pas? Réfléchissez un peu. Fali n'est pas une femme. Fali, c'est un homme. Il a un pantalon qui a une tirette, un pantalon qui a bouton. Il peut enlever son pantalon là et faire ce qu'il peut faire. Il a les émotions. Il peut aimer aussi. Ce n'est pas parce qu'il sort avec une nana ketchup qu'il ne peut pas aimer. Par preuve, en Angola, Fali a une autre affaire en Angola. Comme maintenant il y a au Bénin, cela veut dire que Fali peut avoir les affaires partout en Afrique. Il peut avoir les affaires à Côte d'Ivoire. Il peut avoir les affaires au Burkina. Il peut avoir les affaires en Angola. Il peut avoir les affaires à Tanzanie. Maintenant, ce que je sais, Fali, il sait que si il acceptait les affaires là, peut-être d'autres parents vont venir sur les réseaux sociaux en train de déclarer également la même chose. C'est pour cela qu'il est en train de doser. Il est en train de mettre de faire comme si il est en train de négliger ça. Mais lui-même à l'intérieur, est-ce que vous savez si il reconnaît cela? Peut-être il sait. Peut-être il connaît que oui, là il y en a. Est-ce que c'est la même au Congo là? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit Fali avec d'autres femmes. C'est la première fois qu'on voit Fali engrosser d'autres femmes. Et ce n'est pas la première fois. Il a fait grossesse avec Grâce et Thème. Tout le monde sait ça. Ils ont enlevé combien de grossesses. Ce n'est pas la grossesse ici qui va étonner le monde. Là ici, ce n'est même pas la grossesse. Ce sont les enfants qui sont en vie. Des grands garçons. Des grands garçons. Et si vous voyez les figures, les enfants là ressemblent à Fali à 100%. Les deux jumeaux là, ils ressemblent tous à Fali à 100%. Tout ce que la maman demande, ce n'est pas de l'argent. Elle ne demande pas de déménager au Congo. Elle ne demande pas le visa pour aller vivre en Europe. Elle ne demande pas tout ça. Tout ce qu'elle dit, c'est le ADN. Elle cherche ADN pour reconnaître les enfants. Elle veut que les enfants soient reconnus comme les enfants de Fali. C'est tout. Si Fali sait qu'il n'a jamais couché avec la dame là, il peut aller faire les ADN. Si lui-même il est conscient, mentalement conscient, que les affaires là ne sont pas à lui, pourquoi ne pas aller faire les ADN? Pourquoi ne pas aller faire les ADN? La réalité est que ça commence à venir. Tout ce que Fali faisait dans les ténèbres, ça commence à sortir. Faire les affaires, ce n'est pas mauvais. Refuser un enfant, c'est ce qui est pire, c'est ce qui est mauvais. Mais je sais que Fali, c'est un monsieur qui aime les enfants. C'est un monsieur qui ne veut pas également vivre dans la honte. Il faudra
qui trouvent un moyen pour aller faire les ADN. Les AFA, on ne les jette pas. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Reconnaître les AFA, ça va te faire du bien. Ça va faire partie de votre vie vraiment meilleure. Fallait pour passer moi ton vieux, c'est moi ton camarade, c'est moi ton beau-frère. Gilmas, tu me connais bien. On s'est déjà parlé quelques fois. Même si ça date longtemps, mais on s'est quand même déjà parlé. Les AFA n'ont pas les problèmes. Si la femme était devenue enceinte, contrairement à loi de ta volonté, je pense que tu peux la pardonner à cause des enfants. Tu n'as pas besoin d'être avec elle, mais juste reconnaître les enfants. Parce qu'on ne sait pas le lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver demain aux enfants. Les enfants peuvent te porter bonheur. Tu ne sais pas quel bonheur les enfants vont vous amener un jour. Prends soin de tes enfants, Fali Poupa. C'est moi votre beauf, le frère de Niki Menga. On est là, on t'aime beaucoup. On se revoit à très bientôt. À plus.